Ça remonte, malheureusement, je ne l'ai pas daté, peut-être au carbone 14. Et donc, c'était une peut-être première, des premières listes. Alors, il y a 361 oui. personnes. Et comme ce n'était pas assez, on en a rajouté. Je vois Germaine Tillon, Madame du Châtelet, Évariste Galois, que nous n'avons pas fait. Mais non, il y a des, il y a des numéros, 14. Donc c'est très vieux. Ouais, c'est très, très vieux. Très vieux. Mais de... Et donc, c'était une espèce de... C'était énormément de discussions, et puis énormément de gens, et puis voilà, et tout ces... Et après, bon, au fil du temps, ceux-là sont venus et puis sont restés et puis correspondaient. Oui, que c'est quand même parti de discussions qu'on avait pour voir quel personnage on allait traiter. Donc, dès qu'on était fixé sur un personnage, ça générait tout de suite oui. le type d'idée sur laquelle on a travaillé, parce que ce sont des textes très courts. Et des dessins, c'est synthétique, c'est-à-dire que c'est chaque personnage a eu une enfance dans laquelle il y a eu un moment crucial, et on s'axe sur ce moment crucial. Donc après, si on était d'accord sur le personnage, sur l'importance qu'on donnait à un événement, je pouvais faire le dessin avant ou je pouvais faire le dessin après, mais Marie préférait avoir le dessin. Pour faire le texte, donc on a fait comme ça. Sinon, au départ, on devait... ceux qui voulaient faire des dessins faisaient des dessins, mais le temps que Marie se lance... Oui, c'est ça. Après, j'ai toujours beaucoup de projets, mais la réalisation, je dis, je le ferai demain, donc jusqu'au moment où il s'est avéré que voilà, il n'y avait pas... Après, les dessins, ça tombe toujours très simple quand c'est fait. Hein. C'est comme... Oui. Et puis, Claude, c'est un auteur-illustrateur, hein. On dit auteur-dessinateur, enfin, t'es ouais. les deux au départ, tandis que moi, je suis qu'une chose au départ. Ouais. Donc, il est deux tiers et moi un tiers. Ouais. C'était un peu plus facile pour moi de passer de l'un à l'autre. Ouais. Et puis, c'était naturel, parce que les textes que tu as écrits, c'était... En fait, tes textes, il y a beaucoup de personnages qui nous correspondent. À chacun, on peut dire, ça, c'est plutôt moi, ou ça, c'est carrément moi, ou ça, c'est carrément toi, ou c'est plutôt toi. Et il y avait des textes qui étaient vraiment carrément Claude. Ah oui. Mais je ne pouvais pas le faire. Non, non. D'ailleurs, à un moment, j'ai essayé dans Le Fils de Guillaume Tell, mais ce n'est pas du tout ce qui t'intéressait, en fait. Mmh. Parce que ce n'était pas du tout ton... Comme ça que tu non, c'était, voyais la faire. On ne le voyait pas sous le même angle. Oui, ouais, on ne voit pas sous le même angle. On va essayer de dire le moins de bêtises possible. Moi, c'était ma terreur. D'ailleurs, ça a été énormément relu ouais. par des gens très pointilleux. Il y a bien moins de... Ouais, il y a eu beaucoup de contrôle. Il y a personnes qui sont passées dessus. Et il doit rester... Parce que l'histoire, c'est très fragile. C'est très... Il n'y a pas de vérité absolue sur l'histoire, c'est des histoires. Mais après, c'était enthousiasmant parce que j'ai l'impression que les gens qu'on a choisis, il y a une bonne part de panthéon personnel. Ouais. C'est vraiment deux panthéons qui se mélangent. Et ce sont des gens qu'on aime, quoi. Les histoires qu'on a mises sont toutes des histoires qui sont source, petit à petit, de réflexion sur la vie elle-même, sur le passé, sur pourquoi on se conduit comme ci ou comme ça. Mais que tu n'es pas obligé de tout lire, ça, c'est très bien aussi. Et ça facilite les lectures aussi des enfants, c'est que tu peux rentrer que par l'image, et l'image, elle peut te marquer énormément. Puis tu as le nom, les noms, c'est vachement beau, tu as le sous-titre, tu peux avoir des petits bouts de texte, et tu peux le feuilleter et revenir, parce que tu vas oublier, il y en a assez pour que tu oublies un petit peu, que tu reviennes. Et ah, voilà. Donc c'est une lecture qui peut durer longtemps. Je crois qu'on a tous les deux ce petit savoir-faire qui consiste à faire des textes qui peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'elle sait très bien le faire, et moi j'essaie toujours de le faire. Et quand, pour certains sous-titres, par exemple, c'est évident qu'il y a des choses qui vont être comprises. Alors c'est ça qui est bien et qui est très fort. C'est-à-dire que ça va être compris de manière juste par l'enfant, mais par l'adulte, ça sera compris de manière juste, mais avec une précision de plus, ou quelque chose de plus.